Oui. T'as boulot. Il chiale. C'était un coup monté dans l'MDR. Oh là, quel tour de magie! Incroyable tour de magie, c'est magnifique. Nous pouvons enfin remarquer la coupe de cheveux de Verita. Tu es superbe! Ah oh là 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 là! C'était donc un super tour! Ah oh là là là! Incroyable! Quel tour de magie incroyable! Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie du second premier procès du second épisode de Apollo Justice Ace Attorney. La dernière fois, un petit épisode d'une petite demi-heure qui était très court mais qui a posé quand même une petite tension, petite ambiance, notamment par le fait que Vérité s'est faite menacée par une personne qui était en tour de magie, mais je pense que ça se sentait, j'en étais même certain. Et nous allons donc continuer cette deuxième partie de procès tranquillement pour espérer d'en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé. Lol. Ah bah ouais, complètement. C'est faux, je suis pas en danger, je maîtrise la situation. Tu mens. Ouais, sauver son cul, mais en même temps, cet homme est franchement, il me fait peur. Eh ben, bravo. Tu perçois la persuasion. Oui, la contradiction. Je me souviens évidemment que l'œil. Ah, regarde, non, souvenons-nous. Il y a eu des trois petits points. Ah, ça rame, ça y est, ça commence. Oui, le type nerveux, alors je ne l'ai pas trouvé encore. Si ce n'est tourner des pages, ouvrir les yeux. Il a raidi ses doigts. Ah mais alors dans ce cas on échange nos places, on échange nos pouvoirs, on échange nos places, on échange tout. Ah parce que papa, parce que ton père est un fou. Regardez cette réutilisation. Incroyable, réutilisation de cinématique. Bah oui. Il apprenait les faiblesses de ses adversaires. C'est là tout le talent d'un vrai joueur de poker. Je pense. Je suis pas certain de ce que je dis. Non, il a pas triché. Allez. Oui, j'ai l'œil. Oui, allez. Bah oui, au moins ça. La justice est en marche.
Quoi donc? Qu'est-ce qui se passe-t-il encore? Oh, cette animation. Prends-en un chapeau. Magnifique. Surtout les petites moustaches taillées dans le bois, ça c'est un travail incroyable. Je reste sans voix. C'est les génies, je suis comme des génies. J'en reste vraiment émerveillé devant les subtilités qu'ils arrivent à trouver. C'est waouh. Elle s'est fait défoncer. Elle a réussi à s'échapper. Mais je lui ai cassé, j'en ai fait du petit copeau. Lol. Non, tu crois? Oui. Ah mais j'ai tout prévu. Ne t'inquiète pas. J'ai oublié de contre-interroger. Lol. Cette cour ne tolère aucune temporisation. Je vais temporiser tellement fort, tu vas voir. Est-ce parti? Alors ça reste à voir. Moi je pensais que c'était dans l'œil. Et là il dit quoi? Il a même pas commencé à parler, il tourne déjà les pages. Oui. Et là par contre à chaque fois, tu vois, hop tout va bien. Et là bizarrement, hop, je parle. Voilà, là tu vois je parle. Et là je ne fais plus rien. Voilà, voilà. Donc là c'est sûr qu'évidemment là ça se voit. Comment tu voulais que je te... Yeah. T'es marrant toi. Tu dois ouvrir ton troisième œil. Voilà, tout à fait. Mon bracelet. Il a un bracelet. Quel bracelet? Il te parle, il te susurre des mots interdits. Alors d'ailleurs, ça me fait penser, je vais le dire maintenant, mais il faudra aussi que je m'en souvienne au montage, que je dois refaire la petite animation de l'œil qui s'ouvre et qui s'avance. Parce que la première fois que je l'ai fait, il y a un cut alors qu'on voit encore l'œil dans l'image. Donc du coup, ça faut que je l'enlève, faut que je fasse un truc un peu plus propre. Donc faut que je le dise à mon mot du futur. Voilà. Vous le savez. Un instant, je suis pas d'accord. Oui. Il trifouille les pages. Alors c'est la première fois qu'il fait mention de ce bracelet aussi. Ça n'a pas été mentionné une seule fois jusque là. Oh, passe alors mon bracelet tourne. Je vais le toucher. Ou alors vous aurez pas l'animation, je vous le dis tout de suite. Waouh,
c'est vachement beau, incroyable. Alors, je dois dire quand même que c'est un peu... Ça fait un peu flipper, on va pas se le cacher. Ouais. Alors, faut-il que je baisse? Ah, je peux baisser. Regardez ça, hop, droite, gauche. Oh mon dieu, c'est magnifique. Le petit mouvement de l'œil qui suit, par contre, ça, c'est un effet fort, fort intéressant. J'attends de voir. Là. Ce n'est pas de puissant téléphone. Oui, il ment, Il ment, madame la juge. Je vais demander à voir ton téléphone, mais surtout ton numéro. Alors attention, ça peut très vite partir. Voilà, l'autre ça fait marrer. MDR. Alors, oui, exactement. C'est bizarre, monsieur Tatillon. Exactement. T'es fou? Incroyable même. Magnifique œil révulsé. Ah. Oh, des révélations. Il a appelé la police. Oui, je m'en doutais. Il a menti, madame la juge. Il a menti. Devant chez nous. Aussi. Vous n'êtes pas au courant, monsieur Tatillon? Je laisse un peu par contre.
Ça me fait penser à de l'Eurodance quand même. Quelque part. Eh bien, il en... Voyons, voyons, voyons. Oui, j'en ai une. Eh bien, c'est ce rétroviseur. Un accident. Un accident. Un accident. Ça aurait été triste. Bon, qu'est-ce que t'as à dire, mon petit? C'est un peu mort pour toi. Oui. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Je sais que c'est toi, j'ai toutes les preuves du monde. Mais sûrement. Ah bah oui. Ouais. Ouais, en route, ouais. Ouais, je suis pas sûr de ça. Ouais, tu mens un petit peu quand même, hein. À rouler. D'accord. Ah, et on a le bracelet qui s'est ajouté. Voilà qui est intéressant. Non, t'as rien vu du tout, je suis sûr que non. Je suis sûr que tu te fous de ma gueule. Moi, je veux le stand Halloween, c'est super important. Ah là là, quel dommage, Madame Chambier. Pardon. Quel dommage. Ah, c'est triste parce que sur la dite enseigne qui se trouve, je vais la retrouver. Ne vous en faites pas. Secours, j'ai perdu. Ah. Voilà, sur cette enseigne, on ne lit pas. Hélas. Nodle. Mais Eldoun. Ah, triste. Tristesse. Oh là là. Quel dommage. C'était presque ça. T'aurais pu t'en sortir. Oui, c'est moi-même.
Mais bien sûr qu'elle est très importante, parce qu'il vient de se faire caca dessus. Ah bah tu m'étonnes. Ultra salé comme pas possible. Oui, si tu veux. Un jour. Ah, quel dommage. Oh, oh, c'est triste. C'est triste ce qui se passe pour toi. C'est triste. Ouais. Ouais. Non. Regarde bien. Regarde ce plan. Incroyable. Est-ce que tu étais là? Parfait, tu viens de perdre. Oh, mais... Regardez un peu. Mais on lit Eldoun. Oh, mais... Mais ça alors, mais... Ce n'est pas Nodel. Mais il l'a bien vu, mais pas du bon côté. Et oui, à l'endroit qui change tout. Il se trouvait ici. Alors attention, je vais pointer, il se trouvait quelque part par ici. On va dire par là, au nord. Regardez-moi cette prod incroyable. Parce que regarde, si on le tourne. Regarde, attention, cette rotation entre 180 degrés. Oh mon dieu, on lit Nodal. Incroyable performance de la DS qui crache ses tripes. Mieux que le mode 7. Mais c'est un fausse 3D mal foutu. Ah bah oui, tu es fait. Et alors? Et alors que quoi? Ah bah si. Tu sais que tu m'énerves. Et la 3D. Oui, du cri. Oui. Oui. Paf. Dans la tombe droite. Oui. Et donc du coup... Bon, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, une... Oh, cette contradiction! Personne n'y avait pensé. Elle est forte cette petite. Elle est forte cette petite. Vraiment très forte. Oh
tuer. Hop, pas derrière. C'est pas gentil. Possiblement que oui. Je m'en fous de tes potes. Je vais l'accuser. Que non, je ne pense pas. Non, ça ne colle pas. Non, mais sans doute d'un autre crime. Oh, ça je viens de trouver, ça y est. Ça y est, j'ai trouvé. Oh je... Oh là 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 là. Oh, c'est une révélation qui vient de se faire. Oh si c'est ça, je rigole très très fort. Incroyable, c'était ça. Oui. Oui. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oui. Oui. Merci. Ah bah si. Oh bah complètement. Catégorie, ça n'existe pas. Ah, ça y est, l'éliminateur commence à... Oh. Ah, ça y est, ça commence à ramer du cul. Ah là là, mais on découvre des trucs. Oh là là, mais ces petits étudiants, ils sont cachotis. Ah là là, on apprend des choses tous les jours. Ce que vous croyez, c'est pas ce que vous croyez. Ah bah si. Bon. Ce serait moche. Très moche. Oui. Quoi ? C'est quoi ton problème? Quoi? Quoi? Ah oui, 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 évidemment. Toi t'étais au bar. Toi t'étais au bar. Voilà. Je comprends mieux. C'est de la magie, bordel. Ah, ça peut être de la prestidigitation. Ah bah le chapeau mon grand, le chapeau. Oui. Oh là, ok, il y a des trucs qui vont vraiment pas dans ta tête. Ah oui aussi. Oui.
Arrête de parler. Ah, c'est moi? Peut-être parce qu'il y avait une culotte dans la poubelle. Il y a une poubelle. Ma réponse, elle est simple. Regardez bien. Reconnaissez-vous ceci? Oh, j'en ai marre de montrer des culottes. Ah, si tu savais, mon lien. Il y avait une poubelle. Waouh. Oui, d'ailleurs, faudrait peut-être qu'on la rende un jour. Oui. À mon accord. Oh là là, pauvre gamin. Donc, le garage. Le chemin, ok. Et c'est là. Voilà. La culotte du domaine. Oui, hélas. Hélas pour lui. Oh là là. Quel récit incroyable. Ensuite, j'en suis tout émoustillé. Du coup. Ah, bah quand même. Pas trop tôt. Hein. Tout ça pour ça. C'est un peu décevant. Vous ne l'enlèverez pas de la tête. Vouloir faire de la prison. LOL. Oui, c'est une très très bonne question. J'aimerais bien savoir. Allez. Yeah. Bon, on a gagné une demi-journée. À suivre. Enfin, c'est la fin. Incroyable. Et donc, eh ben, que dire sur cette affaire? Eh ben, du coup, on apprend un nouvel élément qui n'a pas été introduit dans la première affaire, alors que j'aurais voulu que ce soit le cas, parce que c'est un rapport avec la faculté d'Apollo, à savoir son bracelet. Peut-être qu'on en saura plus sur ce bracelet d'ici les prochains épisodes, je pense, j'espère. Du coup, nous avons le bracelet qui va nous apporter la nouvelle feature du jeu, à savoir chercher les tics nerveux des autres personnes, des témoins. Volage de culotte, je pense que c'était vraiment le prétexte pour allonger un peu l'affaire. Mais ça reste marrant. Les étudiants donc en droit ne sont pas si studieux que cela. Ça m'étonne à moitié, voyez-vous. Et donc nous savons que donc Miratis a été tué par sa tombe droite, mais il a tourné la tête à droite. Donc comment, pourquoi, qui, qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas. Nous le saurons bientôt du coup pour la deuxième enquête de ce second épisode.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous ait plu. Ça aura fait encore un tout petit peu plus d'une demi-heure. 35 minutes, presque 40. Du coup, c'est pas mal. C'est à peu près comme l'autre première partie du procès. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air ou un pouce dans le bas, comme vous voulez. De toute façon, c'est selon ce que vous en avez pensé. Dans la description, il y a le Twitter où je suis présent. Il y a le Discord où je suis présent quand j'y pense. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour suivre ce jeu et avoir les autres vidéos qui sortiront. Il y aura des choses, ne vous en faites pas. Et voilà, je pense que je te dis. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon jeu et à la prochaine pour la suite de Ace Attorney Apollo Justice.